Mesdames, messieurs, le film que nous allons avoir l'honneur d'interpréter devant vous est de votre serviteur. Mais veuillez, s'il vous plaît, veuillez venir feuilleter avec moi cet album. Voici madame. Voici monsieur. Voici monsieur Corniche et madame Corniche, qui sont des amis de monsieur et de madame. Et nous voici maintenant tous les trois. Voici la femme de chambre. Voici la cuisinière. Et me voici moi-même. Il y a aussi un monsieur qu'on ne voit pas dans le film, mais il faut tout de même que je vous en dise deux mots. Le voici. C'est un compositeur, c'est monsieur Adolphe Borchard, et la musique que vous entendez en ce moment est de lui. Et puis alors, il faut aussi que je vous dise un mot d'un nommé monsieur Bachelet, parce que c'est lui qui a éclairé le film. On appelle ça un opérateur, et ce serait une injustice de l'oublier, car c'est un homme très remarquable. Quant à monsieur Gernold, qui a enregistré le son, en voilà un aussi, tenez, qui mérite bien des compliments. Et puis alors, ma foi, pendant que j'y suis, je sais pas pourquoi je ne vous dirais pas aussi que la script girl s'appelle Jeannette Yévant, que la monteuse s'appelle Myriam, et que nous étions assistés en outre par monsieur Gilles Grangier, tandis que Guy Lacour tenait l'emploi d'administrateur général. Quant au décor, je pense que vous avez deviné qu'ils sont de monsieur Jean Perrier. Voyons, j'espère n'avoir oublié personne. Et maintenant, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un agréable moment en notre compagnie. Ah, je viens, voilà.